au 13 février. Il y a un gros du feu qui était éclaté dans le marché Hippolyte, que nous tous connaissons sur nos marchés en fer. Président de la République, là, son Excellence Jovenel Moïse, accompagné de Premier ministre, là, Dr. Jacques Guy Lafontaine, était descendu à regarder pour voir qui dégâts qui étaient causés. Maintenant, dans moment ça, il était créé président, il était créé en commission interministérielle qui est pour pencher sous CASA. Nous avons avec nous tous les membres de la commission dans le ministère de la communication pour nous donner une série d'informations avancées qu'a fait comment nous pouvons aider Machan Sayo qui est victime. Encore une fois, au nom du président de la République, au nom de tout gouvernement, nous avons présenté sympathie nous à tout Machan qui était victime de l'incendie qui était survenu dans la nuit du 12 au 13 février à la marché Hippolyte. Et nous avons tout profité également pour nous présenter sympathie nous, okay, à toute machine okay, qui est victime de l'autre incendie qui a éclaté hier soir dans le marché du fort. Comme nous connaissons le président de la République, là, il a demandé au Premier ministre pour te mettre en place une commission interministérielle qui est la dernière, ministère du Commerce, ministère des Affaires sociales, et ministère à la condition féminine, et dans l'objectif pour nous déca, dans un premier temps, et dresser et listing de tout, recenser toute machine qui était victime, et bail machine ça ou allocation pour capable pour être capable subvenir à besoin, pour être capable de joindre l'aide debout. Intervention nous l'a fait à deux niveaux, au niveau conjoncturel et au niveau structurel. Au niveau conjoncturel, une fois que nous finissons fait, que nous commençons avec recensement, mais l'islam pas marchand victime n'est pas exhaustive, n'a pas besoin pour une barre ou allocation. Et en même temps, au niveau du ministère du Commerce, une brigade qui sur les lieux, qui au niveau marché, qui a fait ou évaluation pour nous déterminer le niveau perte et pour nous capable de un bilan chiffré de perte. Et sur cette base, une fois que nous finissons faire bilan ça, nous sommes capables d'accompagner Machan Sayo, qui sont des petits, qui sont des micro-entrepreneurs, et pour nous aider à échafauder ça au plan d'affaires et référer à aux institutions financières de la place, telles que FDI ou bien ONA, pour être capables de joindre ou aide suffisante pour être capables de reprendre l'activité. Parce que comme nous connaissons, les petites et moyennes entreprises représentent le socle même de notre économie. Et la plupart de machines qui frappent eux, c'est des femmes que vous voyez. Et nous connaissons les femmes dans le pays d'Haïti, c'est cheville ouvrière économie. Non? Donc, comme au niveau du gouvernement, nous en service et au service de la population, on va tout mettre en œuvre, on va tout faire pour voler au secours. Pour nous voler au secours de Machan Sayo, ok, dans la mesure du possible. Et, il va nous informer, il va nous donner des informations relatives au recensement qui est en cours. Et une fois que c'est sous base ça, nous permettre nous, ok, commencer by Machan Sayo ou allocation dans un délai raisonnable. Merci, collègue. N'a partagé toute sympathie, toute douleur, toute souffrance que Machan qui victime de du feu qui passait l'année 12 février et ça qui est arrivé avant hier là. Alors, ministère affaires sociales nous mettait tout en branle depuis le président a lancé commission hein. Tout un staff pour aller connaître joindre qui possibilité pour nous gagner au moins monde qui victime yo machin yo femme con garçon pour nous gagner tout méfio avec carte d'identification nationale parce que c'est l'état nous qui gens pour nous bailler assistance c'est pour nous identifier et identifier en tant que citoyen. De ce fait nous joignons des listes qui nous gagne Digicel que nous connaît qui gagne une liste exhaustive qui gagne environ 542 machin. Mais liste Digicel là malheureusement n'est pas gagné NIF avec SIN. Alors c'est comme ça équipe technique nous de concert avec équipe technique
conditions féministes, conditions féminines et ministère commerce là. Et nous dans le marché, nous en contact des marchands que nous connais qui perdu des marchandises, ça veut dire en contact yon ak l'autre, nous commencer recenser un pile marchand avec Nifio Signo pour à partir de l'ONA, à partir de CAS pour nos cas rapidement. Et Papita, que matin encore, nous rencontrer justement avec trois marchands, trois messieurs qui dit à pour reformer, pour former une association des marchands victimes d'incendie, marché Hippolyte. Côté eux-mêmes, ils ont senti urgence pour mettre en association, pour aider nos gouvernements capables d'identifier les marchands. Capable de faire par secteur, parce que nous connaissons plusieurs types de machines, ça qui qu'on a vendu cosmétiques, ça qui qu'on a vendu fruits, légumes, ça veut dire c'est à partir de regroupement ça, nous parlons nous-mêmes pour te coller et ça peut faciliter notre travail. Et comme on a liste là, nous avons un pile neuf signes qui manquent, alors tout lancer un appel à toute machine qui connaît que yo victime pour yo capable fait nous joindre signe Nifio. Toujours gain quatre techniques qui gain dans marché qui gain identification soit ministère du commerce soit ministère affaires sociales soit ministère conditions féminines pour nous mêmes le plus tôt possible pour nous cabailler en réponse rapide. Et moi remercier et toute machine qui collabore avec nous qui comprend que gouvernement que président Jovenel Moïse senti douleur que premier ministre Jacques Guy Lafontaine et nous tous dans le gouvernement Jean-Ministre Commerce dit nous là au service nous et nous là pour nous servir. Alors moi merci pour toute collaboration et me fait appel à toute l'autre machine qui victime qui du moyen du cadre de sécurité sociale. N'a fait ça n'a pas été revenu sur le plan conjoncturel et sur le plan structurel. Sur le plan conjoncturel, c'est arrivé par une allocation rapide, participer, collaborer, par une allocation rapide à une partie dans marchandio. Et mais pour ça arriver fait, comme l'État, j'ai mis ça derrière. On a besoin d'une identité mounio, ou d'un noyau, ou d'un nifio, de façon pour nous capable préparer allocation, parce que nous-mêmes, nous étant au niveau de l'ONA, nous avons une commission interne qui est capable de travailler rapidement et bail réponse à la situation ça. Deuxièmement, sur le plan structurel, en tant qu'institution financière, nous gagnons tout. Pour nous capables d'aider Machinzaio dans leur accompagnement, côté la Jouroli comme institution, et que nous pensons que Jean-Ministre dit au début, ça fait tout pour mal, parce que en majeure partie, c'est femmes, et nous connaissons que l'on sous femme, sous ces machines, à travers le programme On a femme, donc nous sommes censés nous interpeller, et ça fait nous vraiment mal jusqu'aux autres. Et nous pensons participer et nous participer selon instruction gouvernement et même commission. CAS, dans la loi qui crée CAS, la mission CAS, c'est pour porter assistance à tout le monde qui en a besoin. Et nous passons savoir que comment que bouler marcher ça, comment le porter douleur, misère, car un pile monde dans la société. C'est ça que fait sous instruction ministre affaires sociales. Nous-mêmes dans CAS, nous avons une rubrique qui c'est œuvre sociale. Ça fait moi indiquer rubrique là, c'est pour me capable souligner que l'intervention que nous pouvons faire pas déranger bénéficiaires nous allocataires mensuels là. Allocataires mensuels yo a toujours joindre frère correctement. Li pas déranger employé yo. Employé a joindre salaire yo côté que c'est un corps qui disponible pour nous porter assistance nous ba tout le monde qui en a besoin. Et déjà ministre affaires sociales là autant de fois que li instruit nous livre et liste ba nous même n'a ba chèque. Donc tout autant que y'a ba nous liste parce que nous même nous mandé nif pour qu'a joindre liste faut chaque bénéficiaire monde qui va joindre frais ça à temps. Merci. Nous connaissons que de lundi soir jusqu'à journée jeudi après catastrophe qui t'est fin passer dans marché Hippolyte, gain en pile émotion,
gen an pile parole k'a di. Mais jounen jodi an, nous même qui représente commission que président Jovenel Moïse te mette campé sous pied. Nous vinn di population, nous vinn di tout moun ki perdu marchandise yo nan incendie sa. Nous vinn di yo que gouvernement li déterminé et nous même nan commission nous entend poursuivre mandat que président Banoa jusqu'à ce que tout satisfaction. Nous connaissons généralement la tête qui fait yo plus fort monde c'est femme yo yé. Trois quatre monde qui t'a vendre dans marché c'est femme. Je ne jodi an moi-même comme ministre condition femme ak droit femme. Ma pote sympathie by tout monde, solidarité by tout monde. Mais de manière spéciale, ma pote solidarité by mesdames yo, by femmes yo. Nous connaissons dans la famille, le plus souvent, mesdames yo, c'est eux-mêmes qui aiment, c'est eux-mêmes qui répondent. C'est eux-mêmes qui papa, c'est eux-mêmes qui maman. Nous connaissons aujourd'hui, c'est entrailles yo qui a déchiré. C'est ça qui fait que, depuis le lendemain, de catastrophe là. Moi t'ai délégué en bas dans marché hein avec identité yo avec mon ministère sous yo qui t'ai accompagné de brigade ministère commerce côté que yo t'ai chita non seulement avec directrice marché hein mais côté que yo t'ai gagné chita avec un pile petit machin qu'a dit et nous t'ai déjà connait déjà que c'est un jour le jour que y a vivre. Cela veut dire que si un jour il était pas venu dans marché, la caille là blanche, la caille là était tête en bas. Et bien, journée aujourd'hui, nous disons que toute disposition est en prend déjà. Je m'étais été confiant, je m'étais été rassuré que tout le monde qui perd du marchandise, tout le monde a besoin d'accompagnement et avant longtemps, la semaine même, des réponses positives qui prennent le bail, fait gouvernement confiance, fait président confiance, fait commission en confiance, tout le monde a besoin d'accompagnement pour non seulement la vie capable de reprendre en dans ma chère, mais que la vie tout capable de reprendre en dans caille chaque monde. Merci. Réaction, c'est que effectivement, nous avons des cas de sinistres qui vivaient. Et ce n'est pas des bagages que nous avons souhaité, mais qui malheureusement vivaient. Donc la police et ensemble autorité obligé d'accadi gérer situation d'abord pour nous pour assurer que nous capables d'éteindre l'incendie et deuxièmement ouvrir enquête et continuer à servir la population et prendre des leçons prendre des dispositions pour que nous capables éviter que des cas comme ça reproduisent. Mais malheureusement nous avons un premier cas d'incendie, un deuxième cas hier dimanche. Donc, il y a des réflexions qui sont faites dans le niveau de l'autorité de l'État pour que nous soyons capables de prendre des dispositions de prévention pour capables de pallier à ce genre de situation. Alors, dans le premier cas, machin fait, nous, comme direction départementale, nous avons SDPJ, section départementale de la police judiciaire, qui tout de suite, dans Nutlan, a dépêché sous les lieux. Nous avons collecté informations. Mais il faut qu'on dise, dans le cadre de fonctionnement PNH, nous avons encore la direction centrale de la police judiciaire qui est même capable de saisir, et conformément à la directive qui crée lui, il est capable de saisir directement des cas. Arrivé collecté par DCPJ. Et enquête ça, c'est DCPJ qui a une direction. Donc c'est lui-même qui est capable vraiment informer la presse. Mais ça que nous connaissons, c'est que y a une enquête là continue, il y a une audition, un interrogatoire qui fait, il y a des gens qui sont interpellés. On a excusé, ma pose le doigt pour ne pas dire qui est sûr. Donc je pense pour ne pas nuire tout à enquête là, puisque c'est une enquête qui est beaucoup plus sensible. Il était du fait apprendre très tard le soir, donc côté que nous pas vraiment gagné monde qui a fonctionné dans le marché là. Et qui est différent de, du feu qui prend hier dans le marché Talama. C'est en journée, et pourtant qu'il y a des gens, il y a des témoins qui là, on a d'accord, c'est une enquête consacrée plus facile. Et dans ce sens-là, la police dans l'Ouest est sous place, nous prenons ensemble des éléments, des formations et
nous avons dans le cadre d'un incendie, il y a plusieurs thèses, il y a plusieurs hypothèses. Donc il est capable d'un incendie criminel, donc c'est un monde qui volontairement, de manière délibérée, mettait du feu à, et il est capable tout, c'est un feu accidentel. Mais que toute la délo, donc il a dit c'est criminel, puisque la loi pénale lui punit négligence. Un monde qui a un incendie et qui vient causer des préjudices à des citoyens, à des mondes, donc ça, l'entrée dans le cadre de négligence, qui lui-même punit par la loi. D'accord? Mais sous cas dit feu qui prend hier, dimanche. Donc premier élément d'information que nous avons eu, est à prioriser la thèse accidentelle. C'est à cap un départ de feu a commencé à partir de un boss qui tape soudé. Et c'est d'Acadie Sano Michel Louis, qui est fait en 1958, qui est originaire de Jacmel, qui tape soudé dans Choc Badin Pouchon, qui est situé au numéro 61 de la route du quai. Donc ça, nous clairement, nous identifions, nous avons des informations et la police, dans le niveau direction départementale l'Ouest, précisément sous-commissaire de Bicentenaire, procédé à interpellation ligne. Et encore une fois, DCPJ, comme mission que la loi a conférée, lui est remis sous les lieux et nous remettons lui prévenu ça. Donc actuellement, enquête là, l'a continuée par la DCPJ. Mais comme responsable de l'Ouest, nous déjà à penser à garder avec autorité qui disposition qui capable prend pour éviter de pareil cas à répéter. Mais nous connaissons dans le pays d'Haïti, nous sommes pays qui pas riche parce que ça, donc un paquet de priorités, santé, éducation, etc. Mais ça tout aussi important. Donc nous-mêmes, nous avons eu une chance de faire des formations dans le cadre de prévention incendie. Donc et nous connaissons l'état ici de ressources humaines, notamment dans le cadre de pompiers. Nous avons IG Saint-Fleur, nous avons un responsable pompier Port-au-Prince qui lui-même c'est des professionnels qui formés en France avec les pompiers de Paris. Et moi, votre serviteur, donc moi fait une formation en prévention incendie, donc grand diplôme que j'ai en France qui c'est SIAP 3, chef des services de sécurité et d'aide aux personnes, qui sont capables de porter une contribution dans la mesure que je fais appel à nous, pour nous capables de battre un coup de main, notamment le premier bagage qui vient en prévention dans le cadre de maison ou encore le marché. C'est d'abord la construction. À qui matériaux construit, les matériaux classés, hein, selon les normes alors, françaises et européennes, et il y a plusieurs matériaux. Donc c'est à mettre des matériaux qui sont moins inflammables, donc qui prennent du feu moins rapidement. D'accord? Donc le classé, on a dit M0, M1, M2, M3, donc c'est des langages techniques. Et il y a des dispositions qui prennent tout pour que nous mettions des moyens de lutte. Hein, contre l'incendie sous place, des basiques, des extincteurs, nous avons des robinets d'incendie armé, hein, RIA, qui sont capables d'installer et sous marché qui permettent que rapidement, surtout dans une zone ça, au côté qui a un potentiel calorifique énorme, en fonction du produit que nous avons, et très tôt, nous avons papier, carton, tissu, surtout dans le marché ça, nous avons un problème qui a un feu. Nous avons un feu qui prend dans le marché et soulier, hein, qui remplit l'objet plastique, en plus cuir, en plus sandales. Et il faut que nous disions tous, feu ça, en général, flammé ou toxique, parce que c'est des produits chimiques qui sont vraiment nocifs à la santé de la population. Et là, tu as demandé pour que tu aies des mesures qui prennent, pour que capable de gagner assez d'espace pour protéger un espace par rapport à l'autre. Il y a toute une série de techniques qui sont disponibles, qui utilisées dans notre pays pour permettre que nous sommes capables d'arriver pendant la construction et pendant l'exploitation, pour nous capables de des mines qui peuvent poser à ça pour assurer prévention et sécurité incendie dans le marché, pour permettre que nous éviter de gagner en cascade incendie qui cap déclaré. Et bon, c'est tout, il y a une formation hein, que pour population, hein, pour capable, même à domicile, si jamais au bon friteuse qui prend du feu, et comment capable d'intervenir et sans grand danger pour capable d'acadie rapidement éteindre source du feu ça.
Parce que toute flamme nous vient du feu, nous, dans tout fonctionnement dans la vie courante, nous utilisons le feu, mais qu'on a ces capacités pour nous, pour nous éviter que comment nous capables de prévenir, former population, pour nous capables d'intervenir, pour nous capables d'éviter que du feu capable de propager dans des proportions qui permettent que nous ayons une perte matérielle, heureusement nous avons une perte en vie humaine.